Salut à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de la pêche aux méthodes feeder. Donc la pêche aux méthodes feeder est une pêche différente au feeder. Au feeder on pêche les poissons blancs, donc comment le gardon, le rotangle, les petits brèmes, les brèmes étanches. Et pour la pêche aux méthodes feeder, on pêche surtout les plus gros poissons. Donc tout ce qui est tanche, brème, carpe, carassin et surgeon. Donc comparé à la pêche au feeder, où on utilisait une cage avec des grands bas de ligne, pour la pêche aux méthodes, c'est un feeder comme ceci, où on passe... pour réaliser le montage, il faut passer le fil d'abord par là, le faire coulisser dans le feeder et ressortira par là. Ils mettent un émerillon rolling et après vous y mettrez un bas de ligne assez gros comparé au feeder. Au feeder on utilise des bas de ligne de 60 à 1 mètre de longueur, que pour la pêche aux méthodes on utilise des bas de ligne qui font 10 cm. Donc moi comme je débute la pêche au feeder et au méthode feeder, j'utilise une canne basique de chez Caperlin, donc une canne spéciale feeder qui fait 3 mètres avec le moulinet d'origine de l'ensemble pour le feeder avec un fil de 25 cm. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils ou à me poser des questions en commentaire. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine.